Hello, 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 bienvenue dans le vidéo blog. Nico et Katou. Aujourd'hui, ça sera les cultations des saucissons, mais il y a plusieurs de goûts. Plusieurs goûts. Acheter la photo des Anglais, voilà, pour les. Ceux, là, il y a celui-là. Merci à la commerçante. Hein. Celui-là au piment, pimenté. Ouais. Après, il y a. Celui au chèvre. Au chèvre. Et l'autre, on pourra voir. Après les autres. Ouais. Et on pourra voir après. On va commenter déjà par là. Il y en a beaucoup, les gens. Oui, il y en a beaucoup, ouais. Parce que là, ça va beaucoup. Il y en avait même des gros saucissons énormes. Ah. On va commencer par le chèvre. Le chèvre. Parce que sinon, ça va pas être bon avec le goût de ça. Ouais. Forcément. Allons-y. Un peu les saveurs et les goûts sont différents pour les saucissons. À goûter, allons-y. Ouais, on est bon. C'est au chef. Aussi, il y en a aussi au camembert. Bien. On n'a pas tout pris, hein, un peu certains trucs. Hein. Il y en avait aussi au poivre. Ouais. Il y en avait aussi. Il y avait Roquefort. Ah, tout. Le Roquefort, je l'ai pris, le Roquefort. Ouais, t'as pris tous les goûts différents. Mais Nicolas, il n'est pas trop au Roquefort. Bon, à goûter quand même, hein, voilà. Donc maintenant, on va faire le plus l'autre. Bon. C'est le dernier. Ça fait. Le piment. Allons-y. Il pique un peu. Hein. Ouais. Voilà. Le piment. Bon, le goût. Non, non, on sent rien. Puis après. Quand on croque. Quand on mâche. Ouais. On veut quand même le picoquement. Hein. Quand on mange plusieurs, excusez-moi, je remonte un peu ça. Mmh. Quand on mange plusieurs, ça pique un peu beaucoup. C'est clair. Bah, c'est vrai qu'on sent vraiment le picotement. Moi, je voudrais que tu me donnes une assiette pour éviter de mettre ça sur la table. Ouais. Alors, maintenant. Mais alors. Alors, on va prendre lequel. On va prendre celui-là. Celui-là, c'est quoi ça? Comté. Oui, comté. Au comté. Et du fromage aussi. Hein. Le comté aussi, des fromages au comté. Voilà. Parce qu'on pense. Bon, c'est quand même des saucissons traditionnelles. Hein. C'est pas industriel. Il y a aussi des cultations des les choses de côté. Là. Voilà. Vous verrez plus tard. Ouais, plus tard. Mais je sais plus c'est quoi. C'est des. Qu'on a acheté le côté là. Oula. Des nougats. Des nougats, ouais. Il sait même pas ce que j'ai acheté. Moi, j'ai vite trop montrer le couteau parce que. Ouais, c'est vrai que montrer son cible. Sur YouTube, c'est pas bien. Voilà. Donc, allons-y. Et ça, c'est au. Comté. Ok. C'est bon. Ouais. Ça, on peut pas en acheter tous les jours. C'était à la foire à tout. C'est bon. Ouais, moi, j'aime bien. Alors, et ensuite au Roquefort. Au Roquefort. Ah, ça. Moi, j'aime pas trop le Roquefort, mais au saucisson. Moi, je kiffe le Roquefort. Français qu'on saucisson, on sait. On va voir. À côté. À peu près. C'est beau. Hop. Mmh. Le petit bout. Hey, ok, toi. Prends le petit bout comme tu m'as dit que t'aimes pas trop le Roquefort. Ouais. Mmh. Il est ouais. Bon même. Ouais. On a beaucoup de Roquefort. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bien. Ouais. Le goût est très vraiment différent. Ah bah bon, avec le fromage, hein, c'est juste. D'accord. Bon, ensuite. Celui-là, c'est. Là, j'ai vu trop le. Je fais des conneries avec le couteau. Ouais, c'est bon. Ça, c'est. Saucisson sec. Sanglier. Laisse-moi le temps de lire. Ouais, sanglier, monsieur. Alors, sanglier, j'avais goûté sanglier, mais là, on va voir. T'as jamais mangé du sanglier? Ah non.
Moi, oui, j'ai une perte, je vais pas le dire, t'as encore perte. On va s'enlier. Voilà. Voilà. Oui, un peu de tuer. Il y a même le gros. Ça n'a plus de pitié. Oh, ça. Bon. Il y a un peu épicé. Ah oui, bah oui, c'est bon. On met du poivre là-dedans ou quoi? Oh, je sais pas. Au là, camembert. Au camembert, alors là, c'est autre chose. Vous disiez, les abonnés, si vous connaissez tous les saucissons. Voilà, trop dur. Que vous avez déjà goûté. Exactement. Mais moi, maman, j'évite moi les saucissons. Moi, je les ai achetés, c'est pour plaisir. Bon. Le plaisir pour mon copain. Voilà, c'est pour lui, je les ai achetés. Catou Nico, Catou Misère Nico. Moi, j'en mange de temps en temps, mais il y a des jours, j'en mange pas. Un goût de ça. Tu en vois. Oh, ça sent les pieds. D'accord. Il y a un goût. Il y a un goût. L'odeur des pieds. Oh, franchement, c'est bon. Bien. C'est bon. Mais il faudrait bien boire un peu de l'eau parce que là, il y a un mélange de tout là, dans la bouche. Ouais. Faut que tu prennes de l'eau, bébé, avec un deux verres. Je les ai mis pour la suite de la vidéo. Donc, maintenant, à passer avec d'autres, maintenant, saucissons. Encore une fois. Voilà, plus un peu d'eau parce que voilà. Donc là, d'autres saucissons. Là, c'est pur de porc. Pur de porc. Cochon. Et cochon, pur de porc. Pur porc. Ben, je viens de dire de pur de porc. Ouais, pur porc, voilà, pur porc. Allons-y. Hop. Du cochon. Ouh, c'est ce qu'ils aiment. On va me dire, les abonnés, si certains avaient déjà goûté tout ça. Bien sûr. N'hésitez pas à lui dire. Donc, allons-y. Un, deux. Bon. Ouais. Une bonne différence. Ah, il faut aimer. Il y a des croûtes là. Non, ça. C'est bon. Ah, ça fait mal aux dents. Alors ça. Ensuite, on a. Tadam! C'est quoi ça? C'est pas. Alors, c'est. Les trucs que je sais lire, je sais pas. Au thym. Alors, position au thym. Alors, position au thym, allons-y. Hop, Catou va couper au thym. Avant de couper, là. Au thym. Excuse-moi de ne pas faire voir les étiquettes. Ouais, c'est au thym. Position, on est comme ça. Au thym. Nous, on bute les. On déguste, hein, alors. Oui, j'ai déguste, hein. Mais je suis fatigué. On déguste tous les saucissons qu'il y a. Voilà. Il est comme ça. Ah. Et Nicolas, il va trop vite pour moi. Oui. Il y a des croûtes noires dedans. Ouais, on sent bien le thym. On sent bien le thym. Ouais. On sent bien le goût du thym. Ouais. C'est trop bon. On aime bien. Ouais, bien. On est bien. Oui, mais attends, tu vas pas prêter, mais laisse-le là. Non, 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 ça. T'es que t'es chiant, ma pauvre. Le teint. Non, je me gêne. Non, t'es bon. T'es bon, tu sens. Tu sens le goût. Tu sens le goût. Le teint. Faut bien mâcher pour le teint. Ah, bah oui, bah oui. Je sens bien le goût du teint. Ouais. Franchement, c'est bon. Ouais. J'adore. Ensuite, il y en a un qui est très 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 bizarre. C'est quel celui-là? Je crois que celui-là on l'avait déjà mangé chez BBL. C'est quel? Attends, je vois pas, tu as même lunettes, c'est même lunettes. T'as les amis. Là c'est. Attendez. Donc enrobé de l'herbe. Enrobé aux herbes. Excusez-moi, je suis la lumière.
enrobé aux herbes. Mais ça, on avait déjà goûté dans... Ouais. Chez PPM, là. Ouais. BVM. Oui, bah c'est pas grave. Moi, j'ai la BVM aussi. Oui, mais toi... Oui, il y avait le noir et puis... Le noir. Le maghrébin. Mais n'importe quoi. Le noir, là, le saucisson noir. Ah, le saucisson noir, oui, c'est bon. Et le saucisson aux herbes. Oui, et le noir, je sais pas, c'était quoi. Et puis au poivre aussi, je crois. Ouais. Au poivre aussi, ouais. Non, au poivre, il est pas noir. Hein. Alors. Attends, en même temps. Là, c'est au robé deux herbes. Au robé deux herbes, ouais, ça sent, on pense. Ouais. Et après qu'on aura fini tout ça, on va dire lequel qu'on a aimé le plus. Voilà. Mais bon. Ouais. Ensuite, hein. Alors là, c'est. Excusez-moi. C'est. Antillais, l'Antillais. Alors, Antillais, c'est dire les îles, quoi. Oui. Voilà ce qu'on pense. C'est très bon. Moi, je trouve l'Antillais, c'est très bon, c'est tombé Antillais. Alors, ensuite. Oh, d'accord. En ce moment, je t'ai pas lumière, je vais pas savoir. Pas si, mais tes lunettes. Au maroilles. Maroilles. Son maroilles. C'est le dernier. C'est le dernier, exactement. Maroilles, c'est ce qu'on pense. Allez, maroilles, ce qu'on pense du maroilles. Oh. Même maroilles. Ouais. Faut aimer. Ah. Ah. Faut aimer maroilles. Voilà. Donc voilà. Dans cette vidéo thème, c'est-à-dire spécial saucisson de goûtage. Voilà, on a goûté. Tous les saucissons sur. C'est quoi maroilles? C'est quoi maroilles? Maroilles, c'est un fromage du Schnorr, voilà, du Nord. Hein. Connais ch'ti? Bah voilà. Connais ch'ti avec des libounes? Bah voilà. Bon. Donc voilà. Ils sont de. Tous les saucissons, toutes sortes de goûts, pour te faire voir. Oui, il y en avait. Au poivre, ah, il y en avait aussi à la moutarde, j'ai vu. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas pris, mais voilà. Donc voilà, on a toutes les variétés, on a fait goûter, bon, on a fait nous goûter, vous avez fait voir. Tout goûtage. Ça, c'est des saucissons faits maison. Oui, non, pas mais faits maison, pas industriel, mais c'est, on va dire, traditionnel. Fait maison, on va dire. Dis la lame, fait maison. Fait maison, voilà. C'est non industriel mais traditionnel, de bons saucissons. Mais vous n'avez pas ça dans les magasins? Ah non. Voilà. Donc voilà, on vous a fait vous voir. Vous avez ça soit dans les foires à tout ou dans les marchés. Donc, juste pour la fin de cette vidéo, pour les saucissons, on a goûté du stand d'une personne, je ne sais plus comment c'est le nom, de la fois tout, des ondes. Donc, tout simplement, des amis pour la fin de cette vidéo. Tout simplement. Donc voilà, si la vidéo des saucissons, toutes sortes de goûts qu'on a fait goûter et tester. Et dites-nous si vous avez déjà goûté. Voilà, vous avez goûté aussi. Donc, vous avez aimé, apprécié, adoré, n'oubliez pas de commenter, hein, tout simplement. Et surtout, n'oubliez pas de liker sur le pouce j'aime, comme d'habitude, voilà, sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, comme d'habitude, voilà. Et bonjour encore une fois à l'équipe de Cohésion Énergie, bah, c'est à eux de nous suivre aussi de temps en temps. Et aussi à Château de la Belgique, ou aussi, voilà. Et encore une fois, bonjour à Joël, à Régis.
On n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. Mais... Moi, j'essaie de l'appeler. Exactement. Nous aurons à vous aussi, les abonnés, de nous suivre chaque jour, même de temps en temps, parce qu'on fait tout ça, je fais, montage, tout ça. Voilà. Puis, passez de bons week-ends, malgré la chaleur, malgré le canicule. Voilà. Nous continuons vidéo, Nikos Katou. Mais s'il y en a qui nous critiquent, moi je dis, je m'en fous, je m'en tape. Vous pouvez critiquer, mais moi, ça m'en tape. Ça me chatouille pas, ça me fait rien. T'es des conneries de gamin, voyeurs. Voilà. Vous n'êtes pas content qu'à changer de trottoir. Et suivez-nous aussi sur Instagram, Nikos Katou 27, tout simplement. Et on vous bisous à vous, à très vite de vidéo. On vous embrasse. Et le courrier, oh, c'est génial, oh, j'adore. Et je fais des gros bisous à tous les enfants qui sont partis à l'école à la rentrée des classes. Et plus longtemps, parce que là. Mais je sais, mais je le dis parce que. Et oui. On a commencé l'école depuis longtemps. Et une grande pensée à ma petite maman de là-haut, qui a maintenant 72 ans. Voilà, bisous maman, que j'embrasse. Et qui Dieu te garde. Voilà, qui me regarde aussi. Bisous à vous, petite pensée pour elle. Bisous à vous, je vous embrasse. Et le curry, simplement.